Salut à tous et bienvenue sur ce tutoriel pour le montage de poignées chauffantes pour moto ou quad. La moto cobaye est un bandit 250 FA, mais le principe est le même pour toutes les motos ou quad. Il vous faudra des clés Allen, un fer à souder, de l'étain, des colliers de serrage, de la colle néoprène, du scotch isolant et un testeur. Enlevez les embouts de guidon en desserrant seulement la vis. Il ne faut pas dévisser entièrement. Le plus dur, décoller les poignées. Tirez les poignées en tournant afin de les libérer. Si ça ne vient pas, mettez du lubrifiant le plus au milieu possible sous le caoutchouc. Supprimez les bordures en plastique pouvant gêner l'enfilage des nouvelles poignées, moins souples que l'origine. J'utilise un cutter. Ensuite, enduisez le guidon de colle néoprène. Laissez sécher 2 minutes, pas moins, pas plus. Enfilez une nouvelle poignée. Il y a une gauche et une droite. Pour la droite, prenez garde qu'elle puisse tourner sans gêne avec le câble d'alimentation. Réinsérez les embouts de guidon et vérifiez le positionnement des poignées. Ensuite, trouvez un plus après contact. Je vous conseille de le prendre au Neyman. Le courant doit passer uniquement quand le contact est mis. Vérifiez avec un multimètre ou un testeur. Dénouez le câble sans le couper et enroulez votre plus autour, puis soudez-le. Protégez votre travail avec du scotch isolant afin que l'eau ne s'infiltre pas, puis testez. Éteint, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%, éteint. Enfin, rangez les câbles au mieux avec des colliers de serrage.